Salut Sonia. Coucou Bruno, comment vas-tu? Ah bah ça va, je suis en pleine forme, comme d'habitude. Comme d'hab. De la bonne musique et puis voilà. Je suis en pleine forme. Voilà, et en plus on a des super invités aujourd'hui. Moi je suis toujours entre... C'est très rare les nanas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah bah c'est toi qui trouves les groupes. Hein. Ah ça doit être ça alors. Voilà, je me dis il y a un truc. Alors je suis très très contente parce que bah, je les connais depuis un petit moment, les Six Explosions. Et c'est un groupe, bah, c'est explosif. Et ils vont nous expliquer pourquoi. Alors, donc, on reçoit. Ben, alors, il en manque un peu. Donc, là, on a Fred. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, avec une belle voix. Hein. On a Yves. Et voilà, avec une voix pas mal aussi. Aussi, mais pas mal. Un peu plus souvent cachée. Voilà, c'est vrai. Et puis, on a Juju Labuche. Hello. Voilà, lui, il est chez lui, hein, parce qu'il vient souvent maintenant. Ça fait deux fois. On ne dit jamais 203. Donc, voilà. Donc, pourquoi Leslie Explosion? Alors, ben, Leslie, c'est une cabine, c'est un ampli en fait. Le Leslie, c'est un ampli qui a un son rotatif et qui fait comme si on avait un effet. Hein, voilà, donc c'est un ampli et il était utilisé avec les orgamones. Donc, à la conception, à la première rencontre du groupe, on s'est dit que ce son, on allait l'exploiter, ce qui est fait avec les orgues, voilà, parce qu'on est un peu dans cette sonorité de rock des années 60, 60 et 70, quoi. À la Deep Purple. À la Deep Purple, un oui, peu, ouais. Mais pas que, parce que bah, le Leslie, nous on l'utilise sur l'ordre, mais par exemple, tu vois, Jimi Hendrix sur Little Wings, yeah. Il utilise à la voix, tu vois, et aussi George Harrison, qui dans Lucy in the Sky with the Diamond, l'utilise à la guitare. Donc c'est un style de son qui parcourt plusieurs décennies, mais qui nous rappelle une certaine chaleur qu'on essaye de mettre, d'où ce terme de Leslie. Et puis explosion, vous avez qu'à venir nous voir sur scène, vous comprendrez le pourquoi de l'explosion. C'est des petits gaillards, ils sont tout petits, enfin 1m10, 20 kilos, chétif. Très chétif. Très chétif. Je crois que le plus chétif, c'est Yannick. Et oui, qui malheureusement n'est pas là voilà, aujourd'hui. Voilà, Yannick n'est pas là, donc lui, voilà, guitare et cœur. C'est ça. Et par contre, hein, vu qu'aujourd'hui il n'est pas là, ce que je te propose, Sonia, c'est qu'on se revoie dans quelques temps pour te faire un petit live acoustique. Pourquoi petit? Ben, parce qu'il sera intimiste, puisqu'on ne sera que tous les trois ou tous les quatre. Ah, voilà. Pourquoi génial. Il sera petit? Guitare, voix, piano, pourquoi pas avec quelques percussions et quelques notes bien basses de notre cher Yves présent ce soir. Chétif. Il sera pas chétif. Donc voilà, si tu veux, on prend rendez-vous, ça serait volontiers parce qu'on se sent comme à la maison. Voilà. Ici sur RTVFM. Ben voilà, ça sera donc la troisième fois de Juju. S'il n'est pas venu avant. Tu disais jamais 203. Voilà, c'est ça, exactement. Donc alors, c'est des compos. Alors, il y a des reprises et des compos. Là, on va parler de l'album après, mais vous faites des reprises aussi. Alors, on tourne à notre sens, à notre sauce, les groupes qui nous inspirent, quoi, ou les chanteurs qui nous inspirent. Donc, une reprise, il y a un Gainsbourg qui a été repris. Et ensuite, on a un deuxième morceau de Iggy Pop, I Wanna Be Your Dog. Voilà, et on essaye de le mettre à notre sauce, à l'esprit Leslie. Voilà, sans le dénaturer, en essayant de rendre hommage à ces deux grands artistes que l'on aime beaucoup. D'où le surnom de Fred. Le Dog. Voilà. Le Dog, voilà. Vous entendez cette belle voix, chaude et rock. Mais moi qui ai vu, c'est super. Franchement, qui a entendu. On te remercie. Mais c'est top. Dans l'équipe aussi, il ne faut pas oublier nous sommes les quatre compères, mais il y en a deux autres aussi qui ont leur importance dans tout ça. C'est Alain Lunel, dit Lulu, c'est notre sonorisateur qui fait partie de la famille Leslie. Et on a Léo aussi qui fait les lumières. Voilà, donc c'est une équipe, en fait, pour le son, parce qu'il faut que le public puisse être satisfait de ça, et pour la lumière, parce que la vue aussi est importante, donc ils font partie entièrement du groupe Leslie Explosion, et on se doit de chaque fois les citer, sinon on va prendre un procès après. Ils souffrent tellement avec nous que... Oui, on le fait souffrir. Faut bien les récompenser un peu. Alors dites-moi, comment s'est monté ce groupe-là? Qui a eu l'idée? Comment ça s'est passé? Ben à l'origine des choses, il faut toujours une rencontre, quoi. La rencontre, c'est Yannick et Fred qui se rencontrent parce que ils sont dans la même profession, et puis ils parlent musique, et puis ils commencent à deux
dans une petite salle avec un ordinateur pour faire la batterie, à la guitare, à la voix, et puis au fur et à mesure, après, les compos arrivent, et puis ensuite, Yves arrive, et ensuite, Julien arrive, voilà, pour former Leslie Explosion dans sa formation actuelle. C'est chouette, ça. Et si on écoutait un petit peu, que les auditeurs se rendent compte? Alors, on va écouter Esclave Moderne. Alors, une petite histoire, peut-être? Bah, une petite histoire, c'est on a sorti le clip pendant le confinement avec les moyens du bord, qui fait suite à l'enregistrement. Comment dire, je pense que le titre parle de lui-même, quoi, l'esclavage moderne de la société. Voilà, et je pense que on écoute les paroles et si vous voulez, on en parle après parce que c'est des fois aussi bien d'écouter avant de commenter. Allez. Le clip est sur YouTube. Ah, donc faut pas hésiter. Excellent. Alors raconte-nous un peu Esclave Moderne. Ben voilà, comme le titre l'indique, c'est la société qui nous aliène, quoi. Donc à un moment donné, on est enchaîné volontairement ou involontairement.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce morceau qui traite un peu de la société. On ne traite pas que de la société dans Leslie Explosion. Oui, c'est, oui. C'est une journée, Leslie, c'est une vie. Voilà, après avec des moments où on est un peu énervé, des moments où on est amoureux, des moments où on est un peu moins amoureux, un peu moins énervé. Enfin, on vit sa vie, quoi. On se lève le matin et ce qu'on essaie de retranscrire dans nos paroles en français, c'est un peu l'histoire d'une vie. Justement, c'est que du français? Alors on fait des petites, des tout petits écarts sur certains refrains, un peu en anglais, mais c'est vraiment très peu. Exceptionnel. Très peu. Alors comment ça se passe qui c'est qui écrit le son? Alors la musique et les paroles, comment ça se passe entre vous là? Ben voilà, avec Yannick, soit moi, nous composons. Après, une fois qu'on a pour nous, une bonne chanson, c'est une chanson qui peut s'entendre guitare-voix ou piano-voix. Une fois que l'essentiel est là, ça veut dire qu'on a la matière pour faire. Et ensuite, une fois que la matière est là, ben on fait appel à notre fabuleuse section rythmique, à savoir Julien et Yves, pour mettre en place tout ça sur des tempos qui peuvent varier par rapport à l'original. Mais bon, la structure du morceau est là. Ensuite, on s'empêche pas à la marge de varier. Ensuite, ben, quand la ligne de base va arriver, il y a certaines harmonies qui vont se faire, donc on va peut-être modifier ça, à la batterie, ainsi de suite, quoi, un petit break qui va être bien placé, une respiration, voilà, donc c'est un travail d'équipe, hein, puisque... Il y a deux vies pour une chanson, il y a toujours deux vies, il y a une évolution, il y a la composition, c'est le travail de base, c'est ce qui lance qui commence la vie de la chanson, la composition et surtout ce dont parlait Fred. Et ensuite, une fois qu'elle est adaptée et qu'elle est jouée avec le groupe, elle continue à vivre, elle continue à évoluer et ça peut parfois durer très longtemps. Elle peut bouger pendant des années. Justement, c'est une des difficultés, c'est un moment de savoir d'arrêter, quoi. On est confronté à l'infini sur les morceaux qu'on compose, que ce soit avec Leslie ou d'autres groupes. Je pense que tout le monde est confronté à cela. Après, voilà, c'est vrai qu'on amène d'essayer d'amener tous ensemble le meilleur relief possible à la musique pour l'exécuter du mieux qu'elle le mérite. Voilà. Je pense que c'est ça, mon petit Yves, non? Vous savez quoi? Quand la section rythmique s'exprime, je suis pantois. Quelque chose. Ouais. Ils parlent bien, ils sont bons, bien, hein. Ils sont super. Je suis président, tu savais que j'étais président du FLBM, tu sais ce que c'est? La Fédération des bassistes. Des bassistes libres. Libres et monotaches, c'est ça. Ah, c'est ça, alors c'est pour ça. Et l'écriture, c'est plutôt qui? C'est plutôt Yannick ou plutôt toi? Les après, idées, après, comment ça se passe? Dépend. Bah, ça dépend. Yannick a une facilité que j'admire sur la rapidité de composition. C'est vraiment un compositeur qui peut aller très vite. Et moi, à contrario, je suis plus dans la maturation, justement avec la problématique d'essayer d'aborder la subtilité, d'essayer de compenser. Donc on a deux styles de compositions qui sont complètement différents. Et voilà, après des fois sur des textes de Yannick je vais pouvoir faire la musique et sur des musiques ainsi de suite, quoi. On appelle ça un peu la complémentarité, quoi. Exactement. Voilà, oui. Donc on essaye d'être complémentaires et ensuite je rejoins exactement ce que dit Yves, quoi. Ce qu'on essaye de faire, c'est pas une composition de Fred, une composition de Yannick. À la fin, ça devient une composition de Leslie parce qu'on y a mis nos ressentis, nos états d'âme. Et ça devient un morceau de Leslie. On s'amuse des fois à écouter la maquette première et ensuite la version définitive. On s'aperçoit vraiment que oui, le premier G, il a été fait, mais tout le travail qui a été fait derrière, il est quand même. On ressort avec la patte Leslie, quoi. Et c'est arrivé un refus d'une chanson? C'est arrivé? Quelque chose qui vous a pas plu? Sur l'instant, qu'on se dise, on la travaillera plus tard, oui. Mais C'est curieux, c'est marrant ça, c'est un truc, souvent c'est non dit, c'est-à-dire qu'on a des chansons, des propositions, enfin on commence à les travailler, puis au bout d'un moment, on n'en parle plus.
Il y a des répétitions, on commence à les sauter, c'est arrivé. C'est pas arrivé très souvent, ça, hein, mais on l'a vu une, deux, trois fois, c'est arrivé. On laisse tomber au bout d'un moment, mais sans se le dire, quasiment. Ouais. Mais parce qu'il faut, aussi que, même si la compo est là, il faut que l'alchimie soit là, et que quand on est sur scène, on n'est pas seul, on est quatre, quoi. Donc il faut que les quatre, on soit dans la même direction, celle du public, et celle d'avoir envie de donner cette émotion musicale au public. Donc forcément, il faut que tous les quatre, nous soyons au même tempo, à la même émotion, pour pouvoir avancer plus loin dans un morceau qui va peut-être revenir, allez, un an après ou un an et demi après, parce qu'on aura mûri, parce qu'on l'aura réfléchi, parce qu'on l'aura pensé autrement, parce que l'actualité sera pas la même, parce que ben, nous aussi, on évolue, on change. Donc forcément, peut-être que à l'instant T, on n'est pas, on n'est pas en capacité de se dire on va aller plus loin, mais peut-être qu'un an après, elle va l'être. Voilà. Et après, il y a des chansons où il n'y a pas photo. Dès qu'on la joue, voilà, ça marche. Il y a un peu de lassitude aussi, parfois. Il y a des titres qu'on a aimés, qu'on a joués, ça, je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. Oui. Qu'on a joué, qu'on a enregistré, qu'on a joué longtemps, et puis qu'au bout d'un moment, on a mis un peu de côté, quoi. On joue plus. Il y en a quoi? Sur le premier album, là, il y en a deux ou trois qu'on a laissés de côté, ouais. Oui, parce que c'est là, donc là, c'est là, le dernier album, là, c'est un 6 titres. Oui, hein. Ouais, c'est ça. Titres, le premier, voilà. C'était ça aussi. Aussi, d'accord. Ben, on va écouter donc un autre titre, Vie d'ivresse. Vie d'ivresse, c'est ça. Et puis on en parlera. Alors après. Là ben, on va les dédier à Sonia, puisque tu ne bois pas. Je ne bois pas d'alcool, donc c'est vrai que... Celui-là, il est pour toi, Sonia. Ben, moi, j'ai de l'ivresse, mais de la musique. Eh ben, écoute les paroles, on en parle après. Se décontracte, mon corps devient plus souple, plus rien ne craque. C'est vrai, c'est bon. Mais ce verre appelle cet autre verre, mais il est seul. Et c'est tout mon être qui prend du gîte. We'll be right back.
brise ma bouche dans doux velours. Tu glisses dans mon sang avec amour. Et je parle de... C'est génial, franchement. Ah ouais, c'est de la bonne musique comme j'aime. Et voilà, et d'un titre à l'autre, ça change et vous allez voir encore, ça rechange encore. Alors moi, je voulais savoir un petit peu d'où vous arrivez, votre style de musique. Le style de musique. Allez, qui c'est qui veut parler ? Bon, je commence. Hein. Allez, vas-y Yves, à bon. Toi. Les autres pourront pas parler, ça va être trop long. Non, on a tous. Oh, attends, t'as 25 ans. Évidemment, ça fait pas longtemps. Ouais. Évidemment, on a chacun nos influences. Chacun, les influences. Chacun, ouais. On a chacun des courants musicaux préférés, quoi. Mais bon, moi, je suis très. J'ai beaucoup écouté de heavy, de heavy rock des années 70. Tout à l'heure, il y avait Fireball. Là. Voilà, ces groupes-là, les grands groupes des années 70. J'aime beaucoup le rock des années 60 aussi. Ça, j'y suis venu après, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le blues rock aussi. Voilà. Et puis, chacun la sienne. Là. Et dans les récents, il y a des récents là qui te font un peu kiffer ou pas? Pas tant que ça. Ça si, il y a des groupes de rock et de hard rock, là, de métal, que j'écoute encore un peu, mais pas plus que ça, non. Pas plus que ça. Les derniers groupes que j'ai écoutés pas mal, moi, c'était The Answer et Avenged Sevenfold, les choses de, mais c'est pas des nouveautés. C'est quoi, pas c'est, des nouveautés. Non, comment ils s'appellent aussi, Slash, évidemment, des gens comme ça, mais ça, c'est des trucs qui datent un peu déjà. Oui, ça date, ouais. Ça date. Un peu. Les années 90 plutôt. 90, ouais, 90, 2000, ouais. The Answer et Sevenfold, c'est plutôt 2000, entre 2000 et 2010, ouais. Ouais. D'accord. Plutôt, ouais. Donc après, par contrat, je suis obligé de dire pour Yannick, Oasis. Ça, je suis par ah contrat. Oui, et Guns N' Roses. Ah. Donc ça, si Yannick, je ah dis pas oui. ça, après, je ah me fais, oui. ouais. je me fais gronder, hein. Donc ah je suis oui. obligé de le dire, il est pas là, mais on pense à toi, Yannick. Il est fan. Ben, continue, Fred, toi, alors. Oh ben moi c'est très éclectique, ça peut aller le Lio hein. Non alors attends, on va... quand vous allez voir le personnage vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Non mais aussi bien sûr Oasis. Ouais. Bien sûr, oui, les Guns aussi, comme Yannick, on a des points communs, les Black Keys. Voilà tout ce style de musique rock actuel. Oui voilà, oui, c'est mais bon après je m'interdis aucune écoute musicale, parce que je pense qu'on a peut-être une petite pépite à prendre dans chaque partie, quoi. Mais après, bien sûr, le rock, oui. Évidemment, le rock en français, Bachung, voilà, mais je peux aller jusqu'à Brel, je peux aller jusqu'à Ferré Ferra, voilà, je peux, voilà. J'ai vraiment, enfin, j'aime aimer la musique, voilà.
Téléphone, personne ne m'a parlé de téléphone. Encore. Ah si, si, bien sûr. Ah, c'est important. C'est ça. Sinon, et surtout Jean-Louis Aubert. Ouais, qu'est-ce qu'on aime Jean-Louis Aubert. Oh là là. Moi si pour mon anniversaire, si je pouvais aller voir un concert de Jean-Louis Aubert et y faire une interview, vous savez quoi? Eh ben je le ferais. Ça va peut-être arriver. Et toi Juju? Alors toi Juju. Eh bien moi, du coup, je peux autant écouter, bon bien sûr, rock, metal, hard rock, tout ce qui est musique extrême, ça me défoule, donc je me retrouve là-dedans, mais je peux très bien écouter du jazz, du classique, du reggae, de l'électro. Tu vois, par exemple, ce week-end, j'étais au Colors Festival et je me suis régalé. Ouais. The Liminanaz. Oui, The Liminanaz mélange rock et électro. C'est bien ça. C'est excellent ça. Qu'on pourrait les retrouver au Rhino Féroce d'ailleurs. Au Rhino, oui, ils sont au Rhino. Ouais. Et donc voilà, j'écoute vraiment de tout, je m'interdis rien. Je marche beaucoup au coup de cœur et selon l'émotion du moment. Et maintenant... Je te cache pas que le rap ignorant, ça m'excite pas du tout. Voilà. Oui. Ouais, voilà. On est bien d'accord. après, donc je pense que tu vois sur certains morceaux d'Eminem, il y a des choses quand même, il y a des choses à voir quoi. Oui, mais il y a des choses à voir. Eminem, ouais. Oui, mais du rap engagé, tu vois le. Je vois ce que tu veux du dire, rap conscience, ouais. Ça, la différence, c'est oui, le voilà. Rap conscient c'est... et rap ignorant. Oui. Rap ignorant, c'est tout ce qui est Jules. Oui, voilà des choses. Non, mais c'est même pas de la musique. Des choses à ignorer, je sais voilà. Même pas pourquoi on les cite. Oui, quoi, mais... des choses à ignorer. Mais après, par contre, sur le du IAM, NTM, toi, c'est. Ah, c'est, voilà. Là, oui, c'est différent. On va dire que Jules, c'est pas un César, quoi. Non, c'est clair. Mais pourquoi on parle de lui? Je sais pas. D'ailleurs, je reviens sur le Rhino Féroce le 8 et 9 juillet, hein, le Rhino Féroce. Faut pas hésiter à y aller. Et moi, je voudrais que tu me parles, alors, donc toi, tu aimes bien la musique, le métal aussi. Donc, oui. Tu vas nous parler d'un petit festival petit, deux jours, de gros festival, on va dire. C'est pas mais petit. Là, on peut pas dire autre chose qu'ils aient, ne serait-ce qu'ils aient mis les moyens, les mecs, là. Sur le Sidéro Festival. Donc, c'est une collaboration qui est avec la gare de Coustelet et les passagers du Zinc. Les nouveaux passagers. Les nouveaux passagers. Qui se situent à la Rotonde à Château-Renard. Donc, avec Mundil Fari, qui est mon second groupe, on aura l'occasion de partager la scène avec Sidi Larsen et Engsman Cher. Par contre, tu vois, en parlant de découverte, Engsman Cher, je connaissais pas, j'y suis allé écouter par curiosité, et c'est du metal stoner un petit peu. Et c'est très très, j'ai accroché. J'ai envie de les voir sur scène, ce que ça donne. Et ensuite, le deuxième soir, donc Sovox et Pogo Carcage Control. Voilà, donc on est, j'ai vu j'ai gardé un petit peu les tarifs. On est sur du 15€. En pré-vente sur place 18 pour les Châteaux Renard des 5 et donc et ensuite le samedi 14 on est à 12€ et 14€, donc c'est des tarifs qui restent corrects. Pour des bons groupes comme pour ça. Pour des très bons groupes, des super soirées, et je sais qu'ils ont mis aussi les moyens techniques plus. Donc, voilà. C'est important, c'est des endroits sympas, vous pouvez grignoter aussi un petit peu, sympa aussi d'aller, puis il faut faire tourner les salles locales, c'est très très important. Si vous voulez que la musique continue, n'hésitez pas à sortir. Et puis vraiment pas cher, parce que moi je vais à des concerts, j'allais voir U2 par exemple, ça coûte un bras, il faut déjà aller puis à Paris. Puis là on assiste à pas mal d'annulations de festivals ou d'événements, suite à des préventes qui se font pas, donc c'est... Oui. Bon, je sais que là, on peut pas tout faire et sortie Covid, on a. Oui. Tout le monde, c'est lâcher les chiens, quoi. Mais oui. Il faut arriver à essayer d'aller. Lâcher les chiens, oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce que c'est le nom de notre boîte de production, voilà. C'est lâcher les chiens. Voilà. Donc, tu fais de la pub sans le savoir. Ah, c'est bien. Voilà. Et voilà. Venez soutenir la scène locale et ça, c'est très, très important. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Donc c'est le festival le 13 et le 14, Sidéro. Il y a des affiches un peu partout. Hein. J'en ai vu à Avignon encore aujourd'hui, partout. Hein. Il y a une bonne pub, donc c'est chouette. N'hésitez pas, il y a les festivals Château-Renard le 13 et le 14 à la gare de Coustelet. On va écouter le troisième titre. Alors c'est l'EF. Oui, c'est ça, c'est pas la bière. Hein. Thank you.
penseur est sans souci, mes rêves sont réalisés. Et quand la vie me rattrape, le verbe haut, la tête droite, j'écrirai ton nom, liberté. Je suis le prêcheur médiatique, rassasiez-vous de mes idées, elles ouvriront la polémique. Mais quand la terreur nous rattrape, le sous-secours est sans relâche, je clamerai égalité. Tes grands discours ne suffisent pas face à la balle qui me tuera. N'oublie pas la fraternité. Bon pour les oreilles, ça. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien aux oreilles. Alors moi, je voulais savoir, vous n'êtes pas intermittent ? Non, 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 nous ne sommes pas intermittents, non, non. Nous avons tous un métier et une passion. Un gastronomie, mais pas en musique. Et comment vous faites pour les enregistrements ? Comment vous faites pour les répètes et tout ? C'est compliqué ? Oh, ben pour les répètes, après, hein, c'est comme toutes les passions, je pense. Mmh. À chaque fois qu'on est passionné par quelque chose, ben, on y va. Donc, on essaye de faire le mieux possible avec le temps qui nous est imparti. Sachant que pour niveau compo, des fois, bien sûr, avec les transferts internet, on peut aussi se transférer une idée de morceaux, cela oui. dire, ça nous fait gagner un peu de temps et un peu de réflexion. L'album, on l'a enregistré donc au studio Orbi Studio, c'est à Saint-André de Roquepertuis, et on voudrait faire un grand merci aussi à notre producteur exécutif de l'album qui s'appelle Frédéric Schneider, qui est à la tête de la société Félix Prod, et qui sur cet album a été le cinquième homme. Puisqu'il nous a mixé tous les morceaux, mais il y a mis de son âme et de son cœur aussi. Hein, on a trouvé la personne adéquate à l'écoute. C'est un très grand professionnel de la musique, un énorme bassiste. Je vais dire, c'est normal, c'est un bassiste. C'est un énorme bassiste. Et quand je dis énorme, c'est pas comme Yves, hein, c'est pas sur le poids, c'est uniquement sur le talent. Bah, Yves est très talentueux aussi. Quelqu'un c'est un vrai musicien dans l'âme et dans l'envie d'écouter, dans l'envie de traduire, dans l'envie de prendre l'instant présent de la musique de notre groupe et de le mettre avec son idée et avec notre accord bien sûr. Mais franchement, il a fait un superbe travail et on est très content d'avoir fait ce travail avec lui. Et d'ailleurs, quand on a fait le concert à Paris Traversière,
ben on l'a invité parce que c'était vraiment un plaisir pour nous qui viennent partager le fruit de son travail, le fruit de notre travail. Voilà, avec un moment de convivialité lors de ce concert à Paris Traversière. Et depuis combien de temps vous tournez avec Leslie? Ben depuis 2016, hein, depuis qu'on a gagné le premier contrat, enfin le concours, le tremplin. Talent culturel, talent cultura, voilà. Mm-hmm. On a gagné ce tremplin-là, ce qui nous a permis d'enregistrer le premier album. Alors d'ailleurs, là aussi, hein, si vous avez des personnalités dans le monde de la musique qui sont adorables, allez faire un tour au studio MGO à Veden. Vous demandez Gérard, et c'est vraiment là aussi, ça fait partie du bonheur qu'on peut avoir de rencontrer des gens comme ça qui sont, mais alors, d'une amabilité, et c'est des super techniciens, c'est des super musiciens. Là, il était dernièrement en tournée avec François Feldman, Gérard, ça fait longtemps qu'il tourne avec lui. Donc on n'a pas du tout le même esprit musical, ouais. Mais il s'est mis à notre portée. C'est vraiment quelqu'un de formidable, et puis dans la région, et puis ça fait des années qu'il est là, voilà, donc un super gars aussi. Donc ouais, depuis 2016, on tourne. Là, en 2019, on s'est vu au Sonographe. Souviens-toi, c'était un dimanche. Un dimanche, on avait fait un concert et on avait animé la jam. Après, on a fait des belles scènes aussi. En 2020, on a joué au Dog du Sud en première partie de Massilia Sound System. Et là aussi, pour un musicien, franchement, c'est vraiment bien, quoi. Et moi, j'ai eu des retours. J'avais pas pu venir, malheureusement. Et j'ai eu des super retours, et vraiment, il y avait un public de fou, et ça s'est super bien passé. Oui, les gens, ils ont kiffé. Une des premières devant autant de personnes, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on a 2500, 3000 personnes. Ouais. Et quand vous avez un petit refrain qui est pas sur cet album-là, hein, la petite chanson, elle est pas sur cet album-là, mais on fait participer le public sur un petit refrain. Quand vous avez 2500 mains qui vous accompagnent, dans la vie d'un musicien, franchement, c'est waouh, c'est waouh. Pour tout vous dire, après le concert, je pense qu'il était comme moi, on a mis une petite semaine pour se remettre. Ouais. J'en ai vu deux qui chantaient pas. J'ai les noms, comme on disait. On a mis une petite semaine pour que l'euphorie, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Gagner de l'argent maintenant. Oui. On va pas. Oui. C'est pour faire des scènes comme ça de temps en temps, d'arriver à faire une ou deux petites, enfin belles scènes comme ça un peu tous les ans. Ou après, le jour où on arrive à en faire plus, c'est tant mieux. Mais c'est pour vivre ça, quoi. Oui. C'est vraiment pour vivre c'est ça. C'est important. Oui, c'était un bonheur, et en plus, pouvoir partager ça avec, pareil, des personnes qui sont pas de Massilia Sound System, c'était une super rencontre. Et à Paris Traversière, on a fait la première partie de Satan Joker, qui était un groupe phare des années. Alors, parce que le monsieur musique, c'est Yves. Hein. Quelles années Satan Joker, Yves? Ils ont démarré vers 83, je pense, c'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là. 83, ils ont eu un peu leur moment de gloire autour de 85, 87, c'est dans le hit parade des groupes de rock. Il y avait Trust et Ocean, et pas loin, il y avait tout un tas de groupes de métal en France, Warning, Sortilège, Satan Joker, tout ça. Ouais. C'était la deuxième partie des années 80. Ouais. Voilà, donc on a eu le plaisir de rencontrer Ronan Hodgson, qui est le chanteur qui avait remplacé Daniel Balavoine sur la tournée juste après ce malheureux décès. Ouais. Donc voilà, aussi, là aussi, des belles rencontres. Starmania, je précise. Oui, des belles rencontres. Des belles rencontres aussi en tant que musicien, puisque je vais laisser Yves dire les musiciens que nous avons pu rencontrer, surtout un guitariste. Les gens du groupe, oui. Ouais. Pour moi, c'était marquant, c'était ils avaient invité en guest, donc, pour faire deux, trois titres avec eux, ils avaient invité Patrick Ronda, qui était guitariste. C'était un type qui a joué avec les plus grands, vraiment, quoi. Il était remplaçant, d'après ce que je sais, sur la première version du G3 avec Joe Satriani, Steve Vai et tout ça. Et il a fait des dates avec eux. C'est un grand. C'est un héros de la guitare. Ouais, ouais. Et on a vu un type. On a vu un type d'une gentillesse et d'une simplicité. On a discuté toute la soirée avec lui, mais vraiment
Un super mec, quoi. Voilà, ça fait partie des choses, parce que voilà, on fait pas ça, ni, voilà. Ça, ça fait partie des choses marquantes dans la vie de musicien. Je pense que tous les quatre, on a vécu comme ça, quoi. Ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Moi, j'ai passé, on a passé peut-être, enfin, une heure, deux heures, je sais plus, parce que il y avait un peu d'alcool aussi. Mais je sais plus combien de temps, mais on a passé, vraiment, moi, j'ai passé du temps à discuter avec des types dont j'achetais les disques quand j'étais gamin, quoi. Donc, ça, c'est du bonheur. Ouais. C'est du bonheur dans une vie. Oui, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà toutes ces et après on a fait des super dates aussi dans la région. Tu les as citées tout à l'heure dans l'agenda. Mmh. Franchement, RPJ Gay Massorgue, quel accueil quoi. Voilà, c'est vraiment des super lieux où on peut s'exprimer. On a chauffé le tour entre guillemets dans ces endroits-là. Endroit improbable. Mais qu'est-ce que c'est bien, une ambiance rock. Voilà, c'est vraiment du rock. Ouais. On leur fait des gros bisous aux Fanatic Riders. Bien sûr aussi, voilà, ça c'est des endroits où on va jouer avec un immense plaisir. On est reçu vraiment cool, ils sont vraiment cool. Le public, voilà, ça fait des jumps quand on joue. On a fait la première, on a joué avec les White Rabbits, aux Fanatiques, mais c'était un régal. Voilà, c'est tout ce mélange de cultures qui sont peut-être différentes, de personnes sur la région qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est ça qui nous fait vibrer, quoi. Le live nous fait vibrer. On a beau être, c'est essentiel, quoi qu'il en soit. Très important. La Rustine, ça s'est bien passé aussi. Oui, la Rustine, on a joué à la Calabière à Nîmes aussi, c'est un peu plus loin, mais ça, c'est un peu notre QG, nous. Voilà, ouais. C'est vraiment aussi un endroit, c'est juste à côté de Nîmes. Alors là aussi, c'est pareil, voilà. Ça fait partie de ces endroits où on y va avec plaisir, on rencontre le public avec plaisir, et puis on fait jumper la salle avec plaisir. Mm-hmm. Ouais, c'est très bien. Ben, on va écouter le quatrième morceau. Crazy. Je cours à perdre haleine. Ruiné mon corps, mon esprit. J'ai engendré beaucoup de haine et de mépris. Je vois à perdre la tête. Pour oublier vraiment qui je suis. L'alcool, mon vin, j'en suis tellement épris. My soul is bleeding. My heart is there. You make me crazy. My soul is bleeding. My heart is there. You make me crazy. Que des clopes pour me détendre après mon job. Et dans mes rêves, je suis le nouveau Steve Jobs. Je parle seul, fort à tue-tête, pour évacuer mon esprit. Une douce folie m'entraîne et me guette. Make me crazy.
Voilà, on arrive bientôt à la fin. Je suis dégoûtée parce que il y a d'autres ça titres. Ça passe trop vite. Ça va trop vite. Hein, une heure, voilà. C'est court. Hein. Ouais, c'est très court quand on est bien. Quand on est bien accompagné, hein, parce que sinon c'est très vrai. Long. Ça peut être très long, une heure aussi. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. On ne dira pas les noms, mais c'est arrivé. Non, c'est très rare quand même, franchement. Comme les musiciens, moi je vais les voir avant, si ça ne me plaît pas, ils ne viennent pas. Voilà, moi c'est clair, net et précis. Alors moi je voulais savoir, vous avez des dates ? Où c'est qu'on va pouvoir vous retrouver ? Ah ben sur les réseaux sociaux. Alors déjà voilà, oui. Sur les réseaux sociaux. Vous allez retrouver toutes les informations sur le site internet www.leslie-explosion.com, le Facebook. L'Instagram, mais ça fait pas longtemps que c'est tout semble, nouveau. C'est tout nouveau l'Instagram. Attention. Et c'est tout beau. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, sur le Facebook, le Messenger marche très bien. Vous nous envoyez une petite question, ça fera un plaisir de vous répondre. Et vous pouvez également écouter en streaming sur toutes les plateformes l'album, hein, que ce soit Deezer, Spotify. Apple Music, Tidal. Ils y sont tous, monsieur, ils y sont tous. On peut y aller, faites-vous plaisir. Et vous retrouverez l'album sur tout cela. Et pour les nostalgiques qui ont encore des platines CD, oui. Sur le site ou sur le Facebook, vous nous le demandez, il est là, c'est un objet physique, c'est pas immatériel, c'est matériel. Voilà, il coûte combien cet album ? Oula, 1 euro le titre avec une réduction, ça fait 5 euros, me semble-t-il. 5 euros, exactement. C'est vraiment pas cher. Sinon, venez nous voir en concert, on les a, on les vend. Voilà, en concert. Voilà, n'hésitez pas à aller. Faites une petite caisse là et puis vendez-les parce que c'est vraiment top. Donc. C'est un beau cadeau ça, l'explosion. Donc les prochaines dates, vous pourrez nous retrouver. Vous m'arrêtez si je dis une connerie, les copains, mais il me semble que stop. T'es comme ils sont vilains avec moi. Donc c'est le début juillet, le week-end, le premier week-end. Le premier juillet. Même le début, c'est le 1. C'est le 1. Voilà, à la Calabière, à Nîmes, en extérieur, s'il fait beau, on va faire une grosse fiesta. Et ensuite, ce sera le 17 septembre à Orgon, lors du musique. Un festival. Comment ? Un festival, ouais. Voilà. Donc, et après, il y a des dates privées. On a des dates qui vont s'intercaler là-dedans. Elles seront publiées sur Facebook. Ouais. Voilà, comme ça, vous teniez au courant les auditeurs. Ouais, il faut. On a encore des trous à combler dans le calendrier. Donc, vous pouvez nous contacter. On se fera un plaisir de programmer une date. Voilà, donc, compo et un peu des reprises. On a commencé, on s'est beaucoup rodé en ne jouant que des reprises. On a fait pendant. À votre sauce, attention, je précise. Non, c'est pas là, du on était sur du groupe de reprises classique pendant 2-3 ans, ça a duré. Ouais. On a fait un peu nos armes comme ça, on s'est rodé. Mmh. Et puis, on avait commencé à mettre en place un peu des compos. Et depuis 2-3 ans, on a vraiment basculé sur la compo. C'est vraiment ce qui nous intéresse et qui nous motive. Alors. On ne s'interdit pas de temps en temps de rajouter une reprise parce que ça fait toujours plaisir aux gens, quoi. Mais voilà, ce qu'on défend en live, c'est l'énergie, l'esprit, l'explosion avec nos compos. C'est une partie de nous qu'on donne au public, quoi. Voilà, donc avec notre énergie, notre sueur et nos tripes. Oui, vous avez bien deux heures de concert. Oui, c'est ça. En fait, ça dépend pas de nous. Ouais, c'est les. Ça dépend du public. Hein, ça dépend beaucoup de toi. Quand il est content. Ça dépend si le dog est content. Voilà. Je vous dis pas ce qu'il fait quand il est content, mais il peut aussi chanter pendant très très longtemps. Oui. On se veut le plus carré possible, mais justement, le live, c'est pas être carré à la boîte à rythme, n'est-ce pas, Julien ? C'est être carré sur le tempo et se laisser du temps. Pour échanger avec le public, pour s'amuser ensemble, quoi, voilà. Et ça, cette part-là, on veut pas la quantifier. Donc c'est pour ça, on peut la quantifier, mais quand on est chez nos copains, on n'a pas envie de quantifier ce temps-là. On a envie de se faire plaisir, de faire plaisir. Je pense que c'est aussi la patte de Leslie, c'est ça, quoi. C'est que vous allez voir deux concerts, peut-être les morceaux seront les mêmes. Mais l'esprit sera pas le même et tu as pu le constater, voilà. On essaye chaque fois d'amener le petit quelque chose qui fait la prochaine fois on va aller les revoir. J'avais vu Avignon aussi, c'était à l'extérieur. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, avec Jaff.
Voilà, avec ça, Jaff, et c'était totalement différent d'ailleurs. Voilà, les choses, voilà, le public était différent, différent du sonographe, différent du fanatique. Le contexte aussi était différent, c'était encore avec les contraintes sanitaires. Sanitaires, et c'est vrai que c'était un peu la galère, les voisins aussi. Le voisinage est compliqué. Ça avait été qu'une demi-réussite, on va dire. C'était sympa, mais le contexte avait un tout petit peu pollué le truc. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, c'est bien, on va pouvoir vous retrouver un petit peu partout. Par contre, moi, ce que je voulais savoir, les prochaines compos, là, est-ce qu'il y a un autre album, un troisième album en préparation? Bon, là, il est tout neuf encore. Voilà. Oui, mais je vois que tu commences à nous connaître. Eh oui, les artistes, c'est tout le temps comme ça. Ils n'ont jamais fini, ils s'arrêtent jamais. Non. Alors là, tu vois, entre la prise de date, les concerts privés que l'on peut faire, les choses comme ça, là, on vient de finir une série de 10 concerts assez sympathiques, quoi, avec le Point d'Orgue, c'était Paris. Et là, on est reparti sur des compos. Donc on espère pouvoir cette fois-ci on va discuter avec les copains, c'est comme tout ça, un prochain album, ben, c'est ce qui nous motive, c'est ça, quoi. Oui. C'est tout ce qu'on a dans notre tête et dans notre cœur, de pouvoir le mettre sur un support, quoi, pour faire vibrer. Mais on essaye de faire vibrer d'abord en concert, et ensuite, ça, c'est juste la petite mémoire qui vous rappelle ce que vous avez vu en concert, parce que le live, c'est essentiel. Oui. En plus, là, le matériau, on l'a pour le prochain, on l'a presque. Il faut le roder un petit peu, mais on sait qu'on a déjà le matériau déjà pour le prochain album, on l'a déjà. C'est des morceaux qu'il faut qu'on fasse tourner, quoi, qu'on joue, et puis on en. Donc le prochain, il se fera. Et toujours un EP comme ça de 6 titres, ou plutôt le gros album? On va essayer l'album. Hein. L'album, ça serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Et donc, si vous venez nous voir en concert, peut-être que vous aurez des petites surprises, des petites pépites qui vont arriver. Et là, vous pourrez nous donner votre avis sur une nouvelle composition. Ah oui, voilà. Le live, il n'y a rien de mieux. Hein. Le live, c'est. Moi, le problème, c'est que quand il y a trop de morceaux, je ne me souviens plus. Hein. Ça, c'est quand même un problème. À 25 ans, hein. c'est bizarre quand même. Problème, hein. À 25 ans, c'est bizarre quand même. Monotâche, hein. Moi, je ne peux pas tout faire. Hein. Je peux pas. 4 cordes, c'est trop. Hein. Ah, c'est trop. D'ailleurs, je n'ai pas dit aux auditeurs, parce que bon, moi, je vous vois, je vous connais, je vous ai vu plein de fois. Mais par exemple, Fred, qu'est-ce que tu fais, toi, dans le groupe? Alors, moi, je chante et je joue du clavier. Voilà, il est devant. Alors, il est tout petit maigre, vous verrez, vous l'apercevez à peine derrière son clavier. Hein. Donc, si vous voulez aller voir, on va faire des photos. Et vous verrez sur mon Facebook, le Facebook de la radio déjà. Et puis, sur RTVFM. Et puis, sur Sonia Brisé, vous allez voir un petit peu. C'est des bébés, hein. Je vais être au milieu de bébés. Appel aux organisateurs, voilà. Renforcez vos scènes. Renforcez les scènes. Pas des planchers pourris, parce que... Voilà, ça ne fera pas. Et toi, Yves, qu'est-ce que tu fais dans ce groupe? Eh bien, moi, je suis bassiste monotache. Donc c'est une qualification. Mais tu fais un petit peu les chœurs? Non. Pas du tout? Non. Est-ce que c'est pas marqué, ça? Ah non. D'accord. C'est Yannick qui fait les chœurs, qui est pas là. Moi, je fais les grimaces, oui, mais voilà. Pas les chœurs. On lui fait des bisous, d'ailleurs, à Yannick. Et tu as raté une bonne émission. Voilà, comme disait tout à l'heure Fred, il faudra revenir. Et toi, Juju, tu fais quoi? Du tricot. Mais j'ai essayé en jouant de la batterie, mais ça peut faire. T'as les aiguilles. Mais tu vois? T'as les aiguilles avec de la grosse laine, tu pourrais. Ouais, c'est un super batteur. Batterie et cascade. Batterie et cascade. Tu fais cascade aussi? Si, mais c'est vrai, pour la petite histoire, le premier live. notre première rencontre, notre premier live, il va t'expliquer. Tu vois. Donc, fin du morceau, tout naturellement. Fred et Yannick font les couillons sur scène sur la dernière minute. Comme d'hab. Moi, ça m'a enthousiasmé, je me suis levé. Sauf que le siège, il est tombé, j'ai voulu me rasseoir, il n'y a plus rien. La partie. Oh là là et là, toi, là. Quand tu étais, parce qu'on était assez loin dans le bar, c'était justement à la Calabière, et puis d'un coup, pourtant, un garçon d'une rigueur rythmique exemplaire, il n'y avait plus personne. Le silence. Le silence et le vent. Deux bruits de cymbales qui ondulaient un peu, et on a vu deux pieds surgir comme ça. Et voilà, c'était notre premier concert avec Julien, on s'en souvient encore. Bravo. Hein. Et tu n'as pas été blessé? Non. Dans son amour propre, il a été blessé. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est mes retours cassés. Ouais. Il s'est levé, il a dit hop, personne n'a rien vu. Hop. Ça arrive au meilleur.
Et oui, et oui. C'est ce qui forge l'histoire d'un groupe. Et voilà, c'est ça. Donc alors, on répète quelques petites dates. On va vous retrouver en juillet. À la Calabière à Nîmes. C'est quoi comme endroit? Un pub de bière, un resto, c'est quoi? C'est un gros bar à bière, ouais. Gros bar à bière. Dans Nîmes, très sympa. Dans Nîmes? Non, c'est à Bouillargues. Ah, à l'extérieur. C'est à Bouillargues. Ah, d'accord. Ah oui, c'est à quelques kilomètres. Je ouais, là aussi, c'est ambiance Harley, c'est ambiance cool, quoi. Et les deux gérants sont vraiment, on leur fait des gros bisous d'ailleurs. Bon, je pense pas qu'ils nous, en podcast, ils pourront nous écouter, oui. Mais sinon, ça fait un peu loin. Ouais. Denis, mais c'est vraiment des amours, quoi. C'est vraiment des amours. Voilà, ils nous reçoivent chaque fois. Et puis, on fait jumper, quoi. Ouais. La dernière fois, Yannick a fini sur le bar. Donc, on est en train de jouer de la guitare. Donc, c'est cool. On va vous retrouver. Alors, ben, justement, on va vous retrouver ça, le jeudi à 13h, le vendredi à 22h et le samedi à 15h. On va retrouver cette émission. Et ensuite, un podcast. Donc, n'hésitez pas. Et on se retrouve, nous, le 17 avec un groupe qui change de nom. C'était les JAF. Et oui. Ils vont nous annoncer le nouveau nom du groupe. Ils sont super. Trois. Ils s'appellent plus les JAF? Non. Les JAF sont plus les JAF? Les JAF sont plus les JAF. Il y a tout qui. Y a tout qui. Ça va y a pas. Tout, que j'entends. Le monde s'écroule. Le monde s'écroule. Le monde s'écroule. Donc on fait des bisous à Gilou. Et puis à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut, merci Sonia. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On se quitte avec un dernier morceau de Lexi Explosion. Mister President. Ah, génial. Des affaires.